Speedway Lager. Donc apparemment c'est des pneus tubeless avant, arrière. Là j'ai l'impression qu'ils ont fait d'énormes progrès sur la finition. Avant ça fait plus roue de brouette. Changer hein, la forme des LED. Donc ça va améliorer l'étanchéité de la trotte. Un peu plus de sécurité j'ai l'impression avec ces pneus. C'est essentiellement dû à ces pneus. Hein. Donc c'est le même système de suspension que la Z9. Quoi. Elle est bien finie quand même. Vraiment sympa. Hein. Pourquoi ils n'ont pas fait ça sur la visite? Franchement, elle est chouette. C'est vraiment magnifique. Donc, c'est du frein hydraulique. La taille des disques est pas mal. Elle est très épaisse. C'est une 60 volts de Dualtron. 24 ampères et avec les contrôleurs de DT3. Par contre, les 29 kilos. Ouais, elle est super, super légère à la conduite. C'est pour ça qu'il y en a autant qui l'ont précommandé et qui l'attendent. Hein. Ok. Donc aujourd'hui, ça va être un gros direct là. Z11X et Z11X contre Thunder. Au niveau du deck, la Thunder a toujours le deck plus large que la Z11X. Fait 55 kg. Donc elle fait pas les 52 kg, hein. Elle fait 3 kg de plus environ. Vraiment super sympa, en frein hydraulique, enfin, vraiment super sympa, éclairage assez correct. Seul défaut là que je viens de voir, la Spider, et là, limite plus fine, bah allez, elle paraît plus fine, hein, on a mesuré. C'est que les premières images qu'on avait des pneus. En bimoteur évidemment. Ça me rappelle les sensations de la Raptor, hein, clairement. Effectivement, il faut s'y habituer. Niveau pneus surtout, hein, ça parle beaucoup quand même. Tu sens qu'il y a une forte traction au sol, un peu fin. Là, c'est pas mal du tout. Poids de 6 kg entre... une différence de 12 kg. Donc tout compris, hein, trot et rider. Hein. À Lunar, tu as la pression avant, arrière, tu as même la température des pneus. Ouais. Franchement, c'est top. Comme si ça vient du pneu ou de la jante. Voilà, ça passe bien.